أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليداها البطش والرجل زناها القطع والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les versets que j'ai lus de la sourate Al-Mu'minun, Allah Ta'ala, il cite les gens qui ont réussi. Aflaha. Et c'est qui? C'est Al-Mu'minun. Ce sont les croyants. Et Aflaha, c'est la réussite dans ce bas monde et réussite dans l'autre monde. C'est-à-dire, c'est la vraie réussite. Et ensuite, Allah Ta'ala, il cite les critères de réussite. C'est-à-dire, ces mu'minoun, ces croyants, quelles sont leurs qualités? Alors, Allah Ta'ala dit, ce sont ceux qui sont concentrés dans leur salat. Ceux qui font salat, la salat avec recueillement. Ceux qui se détournent des choses futiles, ceux qui s'acquittent de la zakat, et ceux qui préservent leurs parties intimes. Allah Ta'ala a fait de cette chose-là, de préserver ses parties intimes, un critère de réussite. C'est aussi un moyen d'être reconnaissant. Le fait de préserver ses parties privées, c'est aussi un moyen d'être reconnaissant. Car dans la sourate Al-Ma'arij, Allah Ta'ala, il cite, ou plutôt il décrit le comportement de l'être humain. Il dit « Inna al-insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a » Que l'être humain, il est comme ça, que lorsque un mal le touche, alors il se trouve désemparé et il se trouve dans la difficulté, il retourne vers Allah Ta'ala. Mais lorsque un bien le touche, alors la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se renfrogne. Non seulement il ne retourne pas vers Allah Ta'ala, mais s'il est en difficulté financière, par exemple, Allah Ta'ala lui a accordé des biens, alors il se met à retenir ces biens-là. C'est-à-dire le bien qu'Allah Ta'ala lui a accordé, alors il ne dépense pas dans le bien. Mais ensuite, Allah Ta'ala, il fait des exceptions, sauf ceux qui font la salat. Et Allah Ta'ala cite des qualités. Et parmi ces qualités, il y a aussi وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُودِهِمْ حَافِظُونَ et ceux qui préservent leurs parties intimes.
Donc c'est aussi un moyen d'être reconnaissant, de ne pas tomber dans la catégorie de ces gens-là qui se retrouvent ingrats lorsque Allah Ta'ala leur fait preuve de bienfait sur ces gens-là. Mais les ulama ils expliquent que aux deux endroits-là, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, c'est ce qu'on appelle jumla ismiya. C'est la grammaire. Dans la grammaire arabe, il y a soit jumla fi'liya, soit jumla ismiya. C'est-à-dire, c'est une phrase nominale. Ceux qui font telle chose, ceux qui font telle chose. Et ça implique quoi? Ça implique que la personne, elle fasse cette chose-là de manière continue. C'est une qualité de la personne, qu'elle fasse ça tout le temps, et non pas une ou deux fois, quelques fois comme ça. Donc, pour que ce soit un critère de réussite, pour que ce soit un moyen d'être reconnaissant, il faut que cette qualité, elle soit ancrée chez la personne. Et pour préserver ses parties intimes, alors la première étape, c'est de préserver son regard. Allah Ta'ala, il a ordonné de préserver son regard dans le Coran même. Dans la sourate An-Nur, Allah Ta'ala, il a dit de préserver son regard, mais d'une manière très particulière. Parce que d'habitude, Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhal ladhina amanu » c'est-à-dire « Ô vous qui croyez » et ça inclut les femmes et les hommes. Mais dans ces deux versets-là, Allah Ta'ala, il s'adresse particulièrement aux hommes et ensuite il s'adresse particulièrement aux femmes. C'est-à-dire que c'est pour montrer que c'est pour autant pour les hommes et pour les femmes de la même manière. Allah Ta'ala dit « Qul lil mu'minin » يَغُبُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie intime. Et dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ فُرُوجَهُمْ. Et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent leur partie intime. C'est-à-dire que c'est une obligation autant pour les hommes que pour les femmes. Mais Allah Ta'ala a fait dans sa toute sagesse de cette manière que, en général, ce sont les hommes qui sont les plus exposés à ce péché-là. Ce sont les hommes qui sont les plus attirés à ce péché-là. Et d'ailleurs, même un auteur français du 19e siècle, Adolphe Ricard, il dit dans un de ses ouvrages, il dit « L'adultère est dans les yeux de tout homme qui regarde une femme qu'il trouve jolie. » Qu'est-ce qu'il dit ? « L'adultère est dans les yeux de tout homme qui regarde une femme qu'il trouve jolie. » C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Et le fait de prétendre que, de toute façon, moi, je ne regarde pas, on va dire, je ne regarde pas son corps, je regarde son cœur. C'était comme si que on réduisait la femme à seulement son intérieur. Elle n'est pas, c'était comme si on dit la femme n'est pas jolie, c'est pour ça qu'on peut regarder et nous on n'est pas être humain, on est des anges, c'est pour ça qu'on n'a pas cette attirance là. C'est-à-dire c'est de renier notre nature que de dire que on peut regarder et on va faire outre cette chose là. C'est une réalité que Allah Ta'ala fait qu'il y a une attirance entre les hommes et les femmes. Et ces règles-là, le fait par exemple de baisser son regard, le fait de couvrir sa awra, la partie obligatoire de cacher
le fait de, par exemple, ne pas tomber dans des conversations informelles avec le sexe opposé. Toutes ces règles-là, ce sont des règles de vie que Allah Ta'ala, il a mis pour créer un environnement qui soit sain et pour protéger l'intégrité de chacun et de chacune. Ce ne sont pas seulement des interdictions comme ça. Allah Ta'ala nous a créés et il connaît très bien ce qui se passe dans chacun et chacune d'entre nous. C'est pour cela qu'il a donné un mode de vie, qu'il a fixé des limites, qu'il a donné des règles de vie. Donc contrôler son regard, c'est une règle de vie pour, premièrement, le but le plus important de protéger son regard, c'est justement de ne pas tomber dans le zina, l'adultère, qui est un péché majeur. Et aussi, ça protège contre un plus grand péché encore, qui est le viol. C'est-à-dire que contrôler son regard, c'est en lui-même un péché, mais contrôler son regard, ça protège déjà d'un péché, le péché du mauvais regard, mais c'est un rempart déjà contre les plus grands qui sont après ce péché-là. Alors ça, c'est le but ultime de contrôler son regard. Mais ça ne s'arrête pas à là. Pourquoi ? Il y a une chose, c'est que, par exemple, une chose, c'est que contrôler son regard, les spécialistes de la thèse qu'il y a, de la purification du cœur, sont unanimes pour dire que c'est une condition pour sa réforme spirituelle. Contrôler son regard, c'est une condition pour sa réforme spirituelle. Et ils disent que avec ce péché-là, le cœur ne peut pas se purifier, le cœur ne peut pas, on ne peut pas garder un cœur tourné vers Allah Ta'ala et dénué des maladies spirituelles avec ce péché-là. Notamment par exemple, Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, il dit que entre le regard et le cœur, il y a un chemin primordial. C'est-à-dire qu'entre nos sens et notre cœur, il y a des chemins. Mais entre le regard et le cœur, c'est un chemin particulier. Que si le regard, il est bon, alors ça amène la bonté de le cœur. Mais si le regard est mauvais, alors c'est comme si qu'on jette des saletés, on jette toutes sortes d'immondices à travers les yeux qui atteignent le cœur. Et avec cela, le marifa, la connaissance d'Allah Ta'ala ne peut pas entrer le cœur. L'amour d'Allah Ta'ala ne peut pas entrer le cœur. Mais c'est tout le contraire qui va entrer dans le cœur. Tout le contraire, c'est quoi? C'est les insufflations de shaitan. Ce sont les maladies spirituelles. L'orgueil, la jalousie. Toutes ces maladies spirituelles dont le fait de se débarrasser de ça est une obligation. On sait tous que n'entrera pas dans le paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un, on va dire, un atome d'orgueil. Alors le fait de préserver son regard, c'est une condition pour la réforme spirituelle. C'est aussi un moyen de conserver la lumière spirituelle qu'on aura pu acquérir à travers les adorations. Cheikh al-Hadith, Mawlana Zakaria rahmatullahi alayh, le célèbre Cheikh al-Hadith, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages en ourdou, en arabe, comme par exemple Awjazul Masalik, le célèbre Sharah de Muwatta Imam Malik, il dit que beaucoup de dhakirin, beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire du dhikr en abondance, l'évocation d'Allah Ta'ala en abondance, ils avaient obtenu
une lumière intérieure grâce à ce dhikr-là. Mais ils sont ensuite tombés dans le péché du mauvais regard. Et ce péché-là a enlevé cette lumière-là dans leur cœur. Car Mouana Zakaria, rahmatullah alayhi, il était aussi un spécialiste de la science du tazkiya. Et le fait qu'on va contrôler son regard, alors ce sera justement un ascenseur spirituel. Ce sera un ascenseur spirituel, pourquoi ? Parce que ça va amener la lumière intérieure, le nour. Ça va amener la douceur du iman et la proximité avec Allah Ta'ala. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit An-nadratu sahmun masmumun min siham iblis man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu lahu halawatahu fi qalbi. Rawahu at-Tabarani. Que le regard, le mauvais regard, c'est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Et c'est un hadith Qudsi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte cela d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il dit, celui qui va délaisser ce mauvais regard-là par ma crainte, c'est-à-dire par crainte pour Allah Ta'ala, je vais remplacer ce qu'il a abandonné là par une douceur du iman qu'il ressentira dans son cœur. Alors ce hadith a une faiblesse de la chaîne de transmission, mais comme la majorité des muhaddisines le disent, en ce qui concerne les vertus des actions, les hadiths qui ont des faiblesses de la chaîne de transmission, tant qu'elles ne sont pas des hadiths mawdou', des hadiths inventés, c'est acceptable dans les vertus des bonnes actions et dans les méfaits des mauvaises actions en particulier. Donc, celui qui va abandonner le mauvais regard par crainte pour Allah Ta'ala, par crainte pour Allah Ta'ala, non pas par crainte des gens, du regard des gens, mais par crainte pour Allah Ta'ala, alors Allah Ta'ala va remplacer cette frustration-là par une douceur du iman et qu'il va la ressentir dans son cœur. Et j'ai écrit quelques paroles en prose là à ce sujet. C'est « Baisse ton regard devant le défendu, pour le plaisir de celui qui te l'a défendu. Tu auras baissé des paupières, mais dans ton cœur jaillira une lumière qui te fera oublier la richesse des rois, le parfum des fleurs, la saveur des mets, tant elle est douce et lumineuse. Pour un si petit effort physique, tu fortifieras ton état psychique et tu goûteras aux saveurs de la foi. » Alors maintenant, comment, quel moyen employer pour protéger son regard ? Le moyen de base le plus simple, c'est de baisser son regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, son regard était dirigé vers le sol. Donc, quand on marche dans la rue, par exemple, alors de garder la plupart du temps son regard vers le sol. Et de garder son regard vers le sol, ça ne veut pas dire de marcher en regardant ses pieds. Notre professeur Mouana Ahmad Tankaroui, Cheikh al-Hadith, il disait que, par exemple, quand on marche dans la rue, de regarder au moins 2 mètres devant soi, de poser notre regard à 2 mètres devant soi. On va pouvoir baisser notre regard et on va pouvoir facilement voir notre environnement aussi. Il n'y a pas besoin
quand on marche, il n'y a pas besoin de regarder à droite, à gauche. Et de baisser notre regard également devant les écrans. Devant les écrans. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, on ne baisse pas notre regard pour les gens. On baisse notre regard pour Allah Ta'ala. Autant c'est un péché d'avoir le mauvais regard dans la rue, autant c'est un péché sur les écrans. Alors, il y a déjà le fait de regarder le satr, la partie obligatoire de couvrir chez le musulman et la musulmane. Chez le musulman, pour l'homme, la partie obligatoire de couvrir se trouve entre les genoux et le nombril. Cette partie-là, c'est obligatoire pour chaque homme de couvrir, et c'est obligatoire pour les autres de ne pas regarder cette partie-là. D'accord ? Et pour les femmes, c'est tout le corps, excepté le visage, les mains et les pieds. D'accord ? Donc, si une femme, par exemple, elle n'a pas couvert ses cheveux, ça ne veut pas dire qu'on doit regarder ses cheveux. D'accord ? On doit faire tout notre possible pour ne pas poser notre regard déjà sur les parties obligatoires à couvrir. Ça c'est, on va dire, c'est la base, c'est le minimum. Mais ensuite, même dans les parties autorisées à regarder, par exemple le visage, alors c'est autorisé bien sûr dans la mesure du nécessaire. Mais quand ça va être interdit, c'est lorsque dans ce regard-là, on va tirer un plaisir. Là, ça va devenir interdit. C'est pour cela, même par exemple, dans les interactions, lorsque on va acheter quelque chose, ou bien l'interaction avec quelqu'un du sexe opposé, alors il n'y a pas besoin de garder le contact visuel durant toute l'interaction. D'accord ? Et même au contraire, le fait de garder le contact visuel durant toute une interaction avec le sexe opposé, au contraire, ça c'est un moyen justement de créer une relation intime avec la personne. D'accord ? Donc d'essayer de gérer son regard là. Bien sûr, c'est, comme on a dit, c'est autorisé dans la vie de tous les jours. Mais quand ça va devenir interdit, lorsque on va tirer un plaisir à travers ça. Et bien sûr, demander à Allah Ta'ala de nous faciliter de contrôler notre regard et de garder notre chasteté. Car c'est Allah Ta'ala qui accorde les moyens. C'est Allah Ta'ala qui facilite la pratique. Lorsqu'on va agir de notre mieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et qu'on va demander à Allah Ta'ala de nous aider dans cela, alors certainement Allah Ta'ala va nous aider. Même si pour nous, on va voir que, on va dire entre guillemets, c'est impossible, mais rien n'est impossible pour Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala nous a mis dans cette situation-là, c'est qu'on est capable de faire face à cette situation-là. Donc se retourner vers Allah Ta'ala pour qu'il nous facilite le fait de se préserver de ce péché-là qu'est le mauvais regard. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de protéger notre regard et de propager également. Ma tawfiq illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.